Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui afin de parler de Starfield sur la Xbox Series S. Alors même si ces temps-ci, il y a eu pas mal de discussions sur le fait que le jeu va tourner à 30 FPS sur les consoles next-gen. Alors Bethesda a dit que c'est un choix, évidemment, sachant que les consoles peuvent aller plus loin, mais il y a pas mal de sacrifices en termes de qualité et ça ne vaut pas le coup de sacrifier tout ça. Du coup, le gameplay qu'on avait vu, et d'ailleurs c'est ce que vous êtes en train de voir là au niveau de la vidéo, ça a été capturé sur la Xbox Series X. Donc maintenant on se dit, qu'en est-il de la Xbox Series S? Il y a Tom Howard qui a expliqué qu'il possédait les deux consoles, la Series X et la Series S, et il a déclaré que la plupart de son temps de jeu à Starfield jusqu'à présent, ça a été sur la Xbox Series S. Parce que tout simplement, ses enfants sont toujours sur la Series X. C'est via Video Games Chronicle du coup qui s'est exprimé. Je cite, il dit, j'ai eu une X et une S quand les deux consoles sont sorties. J'ai mis la Series X au sous-sol avec le gros le téléviseur, donc la 4K. Mes enfants ne me laissent pas jouer. Ils sont toujours là-dessus. Du coup, la Series S est à l'étage et franchement, le jeu est incroyable, tout simplement. Sur la Series S, on aura la 2K 30 FPS et la Series X, on aura la 4K 30 FPS. En tout cas, si vous prévoyez de vous prendre la Xbox Series S, n'oubliez pas, il y a donc la nouvelle, la Carbon Black, qui a 1 Tera de stockage et je pense que c'est vraiment le bon moment pour prendre cette console et vous pouvez l'acheter sur le store de Microsoft. Personnellement, ce qui me dérange avec ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas de multijoueur. Alors, Bethesda n'a pas dit qu'il n'y en aura pas. En tout cas, je vais m'informer là-dessus et je reviendrai vers vous dans une autre vidéo parce que j'ai vu des choses intéressantes et on va en parler. Voilà, voilà les amis, du coup c'est la nouvelle du jour, j'espère qu'elle vous a plu, on n'oublie pas évidemment de mettre un pouce bleu et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine, salut salut!